Bonjour les loulous, une nouvelle vidéo en phonologie pour mieux entendre les sons avec les alphas. Aujourd'hui, on va commencer à apprendre à écrire des mots avec les alphas. D'accord? C'est parti, je t'explique le but du jeu. Il y a trois cases. 2, 3. Donc il faut trois alphas. 1, 2, 3 pour retrouver le mot. Mais tu ne vas pas retrouver le mot tout seul, je vais t'aider un petit peu. Sur chaque case, il y aura au-dessus deux petites cases. Une, deux. Il faut choisir si c'est cet alpha ou cet alpha pour le mettre ici. Pareil pour la deuxième case. Est-ce que ce sera lui ou lui pour mettre ici? Et pareil pour l'autre case. Est-ce que ce sera lui ou lui pour le mettre ici? D'accord? C'est un peu compliqué, mais on va faire le premier exemple ensemble et ensuite tu pourras y arriver tout seul. On commence. Donc, on commence avec un petit mot qui a trois lettres, donc trois alphas. Écoute bien. Vis. 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 Voilà, j'ai affiché les alphas. Maintenant, tu dois choisir le bon alpha pour remplir la case. On commence avec la première case. Est-ce que tu choisis le vent ou la fusée? Je répète, vis. Alors, quel est l'alpha que tu choisis? Le vent. Bravo, on le met ici. On continue. Pour le deuxième alpha, tu choisis Madame E ou Madame I? Vis. On choisit Madame I. Bravo. Et pour le dernier alpha, est-ce que tu choisis le zibulus ou le serpent? Vis. On choisit le serpent. Bravo. Vis. Vis. Très bien. Tu as compris? Tu peux continuer tout seul? Je t'aide quand même un petit peu. C'est parti. Écoute bien. Mur. 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 Voilà les alphas. Quel est l'alpha que tu choisis pour la première case? Mur. On prend le monstre. Bravo. Pour la deuxième case, quel est l'alpha que tu choisis? Mur. On prend mademoiselle U. Bravo. Et pour le dernier alpha, qu'est-ce qu'il faut choisir? Mur. Le robinet. Bravo. Mur, mur. On continue. Attention, il y a la toupie qu'on n'entend pas. Elle est grise, elle est muette. D'accord? On ne l'entend pas. Écoute mon mot. Chat, chat, chat. Alors, quel est le premier alpha? Chat. On choisit le chat. Bravo. Pour le deuxième alpha, qu'est-ce qu'il faut choisir? Monsieur A ou Monsieur O? Chat. Monsieur A. Bravo. Chat. Chat. Bravo. Et on n'entend pas la toupie. On continue. Fil. 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 Quel est le premier alpha? Fil. La fusée. Quel est le deuxième alpha? Fil. Madame I. Bravo. Et le dernier alpha? Fil. La limace. Bravo. Fil. Fil. Très bien. Encore deux mots. Écoute bien. Sale, sale, sale. Attention, on a Madame E à la fin qui est toute grise. Elle est muette, on ne l'entend pas. D'accord? Quel est le premier alpha que tu vas choisir? Sale. Le serpent, bravo. Sale. Le deuxième, c'est Monsieur A. Et ensuite, le troisième alpha, sale.
La limace, bravo. Sale. Sale. N'oublie pas, on n'entend pas Madame E, elle est muette. Et notre dernier mot, écoute bien. Fiche. 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 On a Madame E qui est toute grise, on ne l'entend pas, elle est muette. Quel est le premier alpha? Fiche. La fusée. Quel est le deuxième alpha? Fiche. Madame I. Et le troisième alpha? Fiche. Le chat. Bravo. Fiche. Fiche. On n'entend pas Madame E. Bravo! On a terminé cette vidéo. On a commencé à écrire avec les alphas pour bien voir les mots. Bravo! On commence à faire des vidéos de plus en plus difficiles pour se préparer au CP. Je te dis bravo d'avoir regardé cette vidéo en entier et d'avoir participé. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.